il est très probable qu'on passe le pic pétrolier dans les 5 à 10 prochaines années. Chers concitoyens et concitoyennes suisses, notre sécurité alimentaire est menacée. Cette situation nous concerne toutes et tous, et les récents événements internationaux nous prouvent que la crise est à nos portes. De fait, assurer notre autonomie alimentaire devrait être notre priorité absolue. Il convient d'établir un constat. Ce qu'il faut bien comprendre en termes de relation entre notre approvisionnement alimentaire et le pétrole, c'est que sans pétrole, aujourd'hui, on ne mange pas. En Suisse, l'autosuffisance alimentaire est à environ 50%. La perte de biodiversité, c'est le risque majeur qui pèse sur nos sociétés avant une guerre nucléaire, très clairement. On va à un rythme 100 à 1000 fois plus vite que l'extinction des dinosaures. On ne s'en rend pas toujours compte, mais la fertilité des sols, par exemple, elle est totalement liée à la biodiversité. En fait, c'est absolument clair que sans insectes, il n'y a pas de production agricole. Zéro. 1 degré et 2 de moyenne en plus, ça a donné un Litton, un pic, à 49,6. On a eu 48 degrés au sud du cercle arctique. La température la plus élevée, je crois que c'est 54 degrés. Alors je ne parle pas au sol, je parle dans l'air. C'est la vallée de la mort en Californie. Si vous avez une vague de chaleur et une vague de sécheresse, eh bien c'est tout ce qui est vivant qui va en pâtir jusqu'à mourir. Alors c'est tout simple, c'est ce que je vous ai dit. Si on a inventé l'agriculture pendant l'Holocène, c'est parce que précisément, on a eu par rapport à ce qu'a été l'histoire de la Terre, une période relativement calme. Là, ce qu'on fait, on en sort. Ça devrait suffire pour inquiéter n'importe quel paysan. La forêt, c'est le dernier endroit à rester humide lors d'une sécheresse et le plus frais lors d'une canicule. Les nouvelles forêts permettent de séquestrer le carbone de l'atmosphère. Un écosystème très diversifié comme la forêt permet d'abriter beaucoup d'animaux et d'insectes. L'effet protecteur des arbres d'une forêt permettent à cette dernière de résister aux événements météo extrêmes. Malgré tous ces avantages, une forêt naturelle ne permet pas, ou peu, de nous nourrir. Cependant, nous pouvons nous inspirer de ces fonctionnements pour les appliquer à l'agriculture en s'appuyant sur trois axes. Une couverture maximale des sols et donc une réduction de son travail, la plantation d'arbres et la diversification des végétaux. Ces points s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'agroécologie. L'agroécologie comprend diverses pratiques, parmi lesquelles on compte les forêts-jardins. Une forêt-jardin, c'est ça. On peut en effet observer qu'un système agroécologique comme la forêt-jardin, qui est très proche d'un système forestier, permet la production d'aliments malgré un épisode de sécheresse. L'agroécologie n'est pas une lubie alternative qui ravira les papillons. Au contraire, c'est une approche scientifique qui permet de produire plus avec moins de pétrole, de régénérer les sols et la biodiversité et d'affronter les extrêmes climatiques. Elle est vivement encouragée par la FAO et le GIEC. Les éléments les plus importants pour l'agriculture de demain, c'est que la société soit solidaire avec le monde agricole. À mon avis, c'est très important que la société civile, disons les consommateurs, soient intéressés à un monde enviable qui les entoure. Sans décision politique, on ne change pas d'échelle. C'est les décisions politiques qui peuvent permettre de changer d'échelle et d'avoir à l'ensemble d'un pays, de façon globale, à cette échelle, un résultat. Maintenant, si les citoyens ne font rien, s'ils ne s'informent pas, s'ils ne bougent pas, évidemment les politiques, ils ne vont pas bouger non plus.